Bonjour à tous et à toutes. J'espère que ça va super bien. Et je souhaiterais vous faire cette petite vidéo. C'est un porte-pilote pour porter le téléphone portable et éviter de l'avoir dans les mains. Donc du coup, mon tissu, il est là. 54 de large sur 20 cm de hauteur. Voici ici. 54 et 20 en hauteur. Du coup, après, vous pouvez... Moi, là, je vais l'agrandir, en fait. Je vais faire plus que 54. Voici mon tissu prêt à assembler. Donc, en fait, il était en longueur comme ça. Je l'ai plié sur lui-même, ici. Hop. Ça. Ensuite, ici, j'ai compté 3 cm en laissant une ouverture ici. Donc, j'ai un repère ici. Il est là. Ici, donc, on va faire un rempli. On fait ça. Une fois, deux fois. Hop. Et donc, maintenant, il va falloir coudre tout ça jusqu'ici. Et ici, on repart d'en bas jusqu'en haut. Donc, on se retrouve à la prochaine. Donc, je commence par le haut, 1 cm. On fait un point d'arrêt et on avance. Et là, on arrive aux 3 cm. J'ai mon repère là. Donc j'y vais doucement. 4, hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on coupe et on tourne et maintenant on démarre d'en bas, de l'autre côté et hop, point d'arrêt. Attention quand on arrivera en haut au niveau du rempli pour pas qu'il ne s'évade. Hop, on est dessus et on recule bien. Point d'arrêt, hop. Donc nous revoici après l'assemblage. Donc ici, on peut prendre le ciseau crampeur, celui-ci. Voyez, il a comme des petites vagues. Hop. Donc on va voir au niveau de notre repère si il a cousu. Voilà, donc là, ça a été cousu jusqu'en bas. Donc là, c'est qu'on s'arrête ici. Moi, je mets une marque directement comme ça. Et puis, hop. J'enlève des épaisseurs. Donc là, j'ai passé mon repère, c'était lequel? C'était celui-ci. Donc on s'arrête là. Donc je vais donner une petite marque ici pour dire on s'arrête là. Puis là, on peut le couper du coup. Hop, voilà. Super. Donc maintenant, on peut retourner une création. Là, on plonge notre main et puis on fait comme si on essayait. Donc le trou, il est là, c'est normal. On essaie de passer le doigt. Hop, on met bien la place aussi. On dégrossit avec la main. Ensuite, nous allons prendre une baguette chinoise. On va à l'intérieur et on pousse pas trop fort sur les points et on roule comme ça. Hop, ça roule. Voilà, comme ça sort mieux. Là, ici, je passe un petit peu là pour les coutures. Et puis là, il faudrait passer un fer à repasser ici. Hop. Là, pareil. Hop. Voilà, donc là, ici,
On fait comme ça. Donc là, maintenant, il faut le mettre en biais. Là, il est tout droit. On vient de finir de le coudre. On le prend comme ça en biais. Couture contre couture. Couture contre couture. Et hop! Mince. Hop. Couture contre couture. Donc ça fait un petit berlingot, hein. Donc ici, après, moi je vais laisser une grosse largeur, c'est pour mon téléphone en fait. Mais j'ai la coque qui va avec le téléphone avec lequel je filme. Le téléphone il est dedans, donc il faut que ce soit bien épais. Et puis là, je ne vais pas trop rembourrer pour pas que ça fasse trop ici. Voilà, donc. On va mettre, allez, on va mettre 5, le repère c'est ici en fait. Donc mon repère, ça va être ici, le jaune. Donc je me mets juste là et je fais arrière devant. Et en fait, c'est là que je vais venir agrémenter de watts de rembourrage pour soutenir à l'avant mon. Et là, on peut aller jusqu'au bout, hop, et encore. On coupe. Et là, mon repère, là, ici, ça va être un peu gonflé. Donc, ça va être ici. Je prends ici. Comme ça, je pourrais mettre mon téléphone avec la coque. Donc après, je vais remplir ici, je vais fermer, je vais remplir ici, je vais fermer, il va être prêt à l'emploi. Donc, nous voici là, on a fait nos coutures. Ici pour le rembourrage, ici ça va être pour mettre mon téléphone. Et du coup, là, je vais le remplir. Donc là, les coutures ont été faites ici, ici. On va remplir et ensuite, on fermera là. Donc là, maintenant, je vais remplir en bas pour voir à peu près. Je le dépiaute un peu, ça va être plus simple. Et là, pour le passer, en fait, ah, j'ai ce qu'il faut là-bas. Voilà, je remplis, je remplis. Une fois que ça va passer, ça va être bien. Et en fait, le premier morceau que j'ai, je vais tout au fond pour bien remplir. Mais il ne faut pas que ce soit trop gros parce que sinon, ça repousse trop mon téléphone vers le. Hop, ça y va. Hop, il est là. Faut pas que ce soit trop 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 rempli quand même. Donc là, on remplit. Hop. J'enfonce. Hop. Après, si c'est pas assez gros, on peut s'aider d'une baguette à tricoter. Hop, un peu plus grande. Et puis là, voilà. C'est arrivé jusque-là. Donc je vais terminer et je reviens après. Voici le porte-téléphone ou tablette fini. Donc là, en fait, on voit que c'est rembourré. On a fermé. On a mis nos 5 cm. Et là, on a fermé et on a rempli. Et du coup, on peut mettre un gros téléphone. Imaginons, je vais mettre ça. C'est nickel, hein. Ça tient bien. Hop. C'est super, c'est ça que j'avais besoin. Voilà, il est terminé, je vais pouvoir l'utiliser. Merci, bonne journée et à très bientôt.